Moi, ce que j'aimerais, en fait, je n'ai pas vraiment préparé de conférence. Alors, j'ai un joli titre, mais je n'ai pas de conférences qui vont avec. Mais ce que j'avais, moi, envie, en fait, c'était de partager certains points, en fait, des élaborations sur lesquelles je suis aujourd'hui par rapport à cette question de contact, impact, quand même, avec j'aime bien le terme d'entité ufologique. On dit intelligence exogène. Et intelligence exogène, en fait, c'est vaste, parce que ça peut vouloir tout, c'est à l'extérieur de nous. Moi, j'aime bien ufologique pour quand même dire qu'elles sont quand même reliées à la thématique OVNI, en fait. Alors, je vais m'asseoir et mettre un peu une petite table devant moi. Pardon ? Pas celui-là ? Parce que le jaune... celui-là ? C'est parfait ? D'accord. Voilà. Alors peut-être pour commencer, me présenter un petit peu, puis ce que je fais et pourquoi en fait j'en suis arrivé à ces élaborations autour de l'impact en fait du contact avec des extraterrestres. Bon, j'ai lâché le mot extraterrestre, mais il faut y mettre les nuances d'usage dont on parle depuis tout à l'heure. Hein. Oui, juste avant de rentrer là-dedans, peut-être juste poser le cadre. En fait, évidemment, ça peut devenir un cadre juste conférencier où c'est moi qui parle et puis vous écoutez. Ça m'intéresse aussi l'interaction. Donc, si vous avez des questions, en fait, peut-être attendez pas la fin parce que il n'y a pas beaucoup de temps forcément pour échanger. Et moi, ça m'intéresse finalement qu'il y ait une question là. Puis, hop, ça dévie ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Ça va être du coup co-créatif en fait ensemble. Alors, donc je suis psychologue clinicien, psychothérapeute transpersonnel, ça veut dire qui s'intéresse à la dimension spirituelle, non pas comme d'ailleurs un prérequis, je ne pose pas a priori que nous sommes des êtres spirituels, comme les psychothérapeutes transpersonnels ne le posent pas a priori, simplement nous observons, en travaillant avec les états modifiés de conscience, que des expériences spirituelles viennent spontanément chez tous les humains et que tous les humains témoignent depuis toujours d'expériences spirituelles. Donc la psychologie transpersonnelle ne postule pas d'une manière new ageuse que nous serions des êtres spirituels. Nous l'observons et nous l'étudions et nous le prenons en considération, ce que devrait faire toute psychologie. En fait, donc poser que la psychologie est transpersonnelle, pour moi, la psychologie transpersonnelle ne devrait pas exister, c'est parce qu'elle s'oppose à une psychologie académique qui postule que ça n'existe pas et qui le postule simplement parce qu'elle le décide, en fait. Elle décide que ça n'existe pas. Donc, ça fait une quinzaine d'années, en fait, que je travaille dans ces champs des états modifiés de conscience. Voilà, il y a plusieurs années, j'ai rejoint l'INRES, qui est l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Dans ce cadre-là, en fait, j'ai commencé à recevoir tout un tas d'expérienceurs, évidemment, qui témoignent de plein de formes d'expériences, que ce soit des éveils de Kundalini, que ce soit des sorties hors du corps, que ce soit des expériences de mort imminente, etc., etc., jusqu'à des expériences extrêmement exotiques, en fait. Qu'on ne communique pas trop en général au public comme ça, parce que c'est trop fort. Alors généralement, notre pensée dit non, stop, ça n'existe pas, c'est pas possible, là, il déboulonne, c'est n'importe quoi. Donc généralement, en fait, il faut savoir que sur ces thématiques-là, même sur ces thématiques-là, généralement, on censure une portion des expériences. Et d'ailleurs, l'INRES, au départ, Stéphane Alix avait l'intention de créer quelque chose autour sur la question des abductions, mais le premier mouvement, ça a été une autocensure, parce que la thématique de l'abduction, c'est une thématique, évidemment, qui suppose que les gens soient déjà ouverts à la question OVNI. Alors évidemment, ce qui n'est pas tout à fait le cas globalement. Et dans un deuxième temps, soit ouverts après à ce que des OVNI aient des occupants. Pourquoi pas ? Enfin, pourquoi pas, hein, si je garde une vision très classique, un peu toliboulon de l'histoire. Et ensuite, que des gens puissent être en relation avec ces êtres, en fait. Or, généralement, on veut bien que ce soit le cas, mais dans les films comme E.T. et Rencontre du troisième type, mais dès le moment où on dit que ça arrive vraiment, en fait, là, il y a souvent un mouvement de rejet. Donc, l'INRES, pendant plusieurs années, n'a pas parlé des abductions. N'a même pas parlé du dossier OVNI, a parlé des expériences de mort imminente, parce qu'il y a plus de réceptivité à cette question, a parlé des éveils de Kundalini, des recherches spirituelles, enfin tous les thèmes de spiritualité, jusqu'à ce qu'elle crée suffisamment de légitimité pour pouvoir aborder la question ufologique. En fait, elle le fait depuis quelques temps.
Voilà, donc moi, je suis rentré dans la question ufologique, en fait, et des abductions par la case expérience extraordinaire. Et Stéphane Alix m'avait demandé, parce qu'il faisait un reportage sur les abductions, dans lequel Sonia était intervenue. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, en fait. Et je devais intervenir dans le documentaire. Et c'est lui qui m'a branché à la question des abductions. Après, pour des questions de montage, finalement, je ne suis pas intervenu dans le documentaire. Mais par contre, moi, j'étais branché aux abductions. Et du coup, l'équipe de l'INRES m'envoyait à chaque fois les cas de personnes d'abduction. Ils disaient, bon, bah, tiens, tu t'y intéressais, bah, vas-y. Et du coup, je suis rentré dans l'histoire comme ça. Ensuite, Stéphane m'a mis en lien avec Sonia, qui était en train de vivre une expérience compliquée à ce moment-là. Du coup, il m'a dit, bah, est-ce que tu veux bien l'accompagner? J'ai dit, mais bien sûr. Et du coup, on est rentré en lien. Ça fait maintenant plusieurs années. Peu à peu, on est devenus amis. Voilà. En parallèle de ça, une expérienceuse qui s'appelle Myriam Belmire m'avait contacté l'INRES en disant, voilà, je veux monter une association pour les abductés, vraiment spécialement pour les abductés. Je cherche un hypnothérapeute qui pourrait m'aider, en fait, m'accompagner. Du coup, moi, j'ai dit, bah, ok, je veux bien, ça m'intéresse. Et du coup, on a co-créé cette association, le Cerro France, qui accueille spécialement des abductés. Voilà. Donc c'est, disons, pour moi, d'abord des expériences en état modifié de conscience de manière générale. Et à partir de cet abord-là, l'accueil et l'investigation auprès de personnes qui vivent des expériences d'abduction, en fait, qui est le terrain de ma réflexion, en fait. Voilà. Donc quand on rentre dans la question des états modifiés de conscience, justement, l'une des premières questions qui se pose, c'est ce clivage entre le monde du dedans et le monde du dehors. Et la première réponse qui vient assez rapidement, c'est que on ne s'en sort plus avec cette catégorie-là. C'est-à-dire que dès le moment où on accepte qu'il y a un monde interne qui est subjectif, voilà, c'est mon monde du dedans, ça on peut quand même tous en faire l'expérience. Là d'ailleurs maintenant, chacun d'entre vous, vous pouvez avoir votre curseur d'attention qui est hop, vers moi, et puis vous n'êtes pas trop attentif à vos pensées, et d'autres sont peut-être plus dans leurs pensées. Bon, on voit bien que notre curseur d'attention, il se balade d'un monde du dedans vers un monde du dehors, et comme on en fait l'expérience tous les jours, on se dit, bah, le monde il est fait comme ça. C'est vrai, il y a un monde subjectif, c'est mon monde de pensée, d'émotion, mon monde interne. Puis il y a un monde objectif, mon voisin, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est indépendant de moi, en fait. Et comme on fait expérience du monde qui est comme ça dans la plupart du temps, en fait, bah, on considère que c'est un fait établi. Mais c'est un fait établi d'abord en Occident et en Occident moderne. Voilà. Et d'autre part, bah, il y a des exceptions. Et il y a des expériences qui font exception. Et dans les expériences qui font exception, eh bien, il y a les abductions. Ouais, et les phénomènes ovnis, qui nous parlent en fait de moments où, visiblement, entre cette frontière du dedans et du dehors, il y a des moments où mon monde du dedans, pardon, semble se manifester au dehors. Ça veut dire, par exemple, je vais voir un ovni qui va avoir la forme, en fait, une forme qui parle plus de qui je suis. Par exemple, je suis un mécano, puis je vais voir quelque chose de très mécanique, en fait, et des êtres très mécaniques. Ou je travaille chez Michelin, puis je vois des bibendums Michelin qui sortent de l'OVNI, en fait. Bon, ça, c'est ça que je veux dire quand il y a une articulation entre le dedans et le dehors. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui s'est posé, qui a laissé, par exemple, une marque au sol, en fait, mais ça vient interagir avec moi. Pourtant, la forme qu'elle a est complètement ahurissante, en fait. Pour quelqu'un d'extérieur, il dit, c'est complètement dingue ce que tu me racontes. Pourtant, ça parle plus de qui je suis. Mais il y avait bien quelque chose qui n'était pas moi. D'accord ? Il faut bien comprendre ça. Et c'est pour ça qu'on parle d'expériences qui sont à mi-chemin entre le dedans et le dehors. Alors, hier, Sylvie Joubert parlait de l'anneau de Möbius. Et moi-même, c'est le ruban de Möbius, c'est vraiment un modèle qui m'est venu pour justement parler de cet endroit de torsion, en fait, où on pourrait dire que le monde du dedans et le monde du dehors, c'est fichu comme un anneau de Möbius. C'est-à-dire que, vous voyez, pour ceux qui n'auraient pas été là hier, en fait, le ruban de Möbius, c'est comme un bracelet, en fait, il a deux faces, sauf qu'il est tordu, il y a une torsion, en fait, vous irez regarder sur Internet, donc ça fait comme un 8, finalement. Et si vous promenez sur une partie du ruban, et que vous faites le tour, vous allez revenir exactement à l'endroit où vous êtes parti. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule face, en réalité. On dirait qu'il y a deux faces, c'est si vous marchez d'un côté, vous savez qu'il y a un autre côté, mais en fait, en réalité, il n'y a qu'une seule face. Il y a un endroit de torsion où le dedans devient le dehors, et réciproquement.
Voilà. Donc ça, je pense que c'est un modèle qui est plus proche, en tout cas, qui décrit un peu plus les expériences qu'on peut vivre au quotidien. Généralement, la distinction, elle est maintenue, mais il y a des moments où elle se tord. Il y a une torsion de cette... Voilà, c'est ça. Vous voyez qu'il y a une face noire, on pourrait dire une face blanche, mais en fait, il y a un moment où le blanc devient noir et le noir devient blanc, et c'est la même face, en fait, en réalité. Voilà. Donc voilà, peut-être voilà un peu l'introduction. Peut-être reposer parce que c'est une question qui est souvent posée, surtout par les personnes qui n'ont pas de. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le thème des ovnis, pas du tout, enfin qui le découvrent d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient à cet endroit-là? Non, tout le monde a un peu connaît plus ou moins le sujet déjà, d'accord. Parce que souvent, en fait, les personnes vont dire bon, les abductions, c'est un peu fort de café quand même. Comment tu peux croire à ces fadaises? C'est des gens, c'est des fous en fait. Hein. Et moi, je dis mais oui, je vois où tu es. Je dis mets-toi juste à ma place, pas la place de ces personnes-là. Mets-toi à ma place à moi un instant. Dis-toi que pendant 5 ans à l'université, j'ai appris patiemment à apprendre la différence entre les différentes psychopathologies, à dessiner les frontières entre ce qui est normal, ce qui est pathologique. Ensuite, je suis allé tester ces modèles-là en psychiatrie. J'ai travaillé avec ces modèles-là. C'est des modèles qui font consensus pour tout le monde. Ça veut dire que, en gros, je fais partie des gens compétents pour dire ce qui est fou et ce qui ne l'est pas. Voilà, si tu te mets à ma place, reconnais mon expertise à moi. Voilà. Ensuite, dis-toi que moi, à partir de mon expertise, je vois des gens qui viennent et qui n'ont pas de psychopathologie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fous, justement, ils ne sont pas fous. Ils sont, par exemple, comme toi qui serais là face à moi et qui me parlent d'une expérience qui les a bouleversés. Et quand on regarde cette expérience qui les a bouleversés, parfois bouleversés au point d'être traumatisés par l'expérience, pas toujours bien sûr, mais dans beaucoup de cas traumatisés par l'expérience, quand on regarde, le contenu est bouleversant. Alors après, il y a deux postures que tu peux prendre, c'est « ça n'existe pas » ou « pourquoi pas ». Pourquoi pas? Il me raconte quelque chose qui les a bouleversés, alors allons voir de quoi il me parle. Alors évidemment, ça bouscule la représentation qu'on a du réel, et plus on rentre dedans, plus ça bouscule la représentation qu'on a du réel, parce qu'au départ on se dit, ce sont des extraterrestres, bon alors il faut que j'accueille que les extraterrestres ça existe, etc. Donc on va faire ce chemin-là si on est dans l'idée que ça n'existe pas, il faut faire ce chemin-là, et ensuite... On entre dans le récit, on se dit « Ah, mais ça va plus loin que la question des extraterrestres. » Au départ, les premiers récits, on peut dire « C'est extraterrestre », mais en fait, non, c'est plus compliqué que ça. Alors on y va, « Ah, mais ma perception de la réalité ne semble pas si juste que ça. » Et ça demande sans cesse en fait, de rester en chantier dans sa pensée. Il n'y a pas d'explication simple à donner. Donc la proposition, nous, qu'on fait au Cerro France, dans l'association, c'est pas d'estampiller, vous êtes abducté, c'est ça qui se passe, mais venez, on va réfléchir ensemble. On va cheminer ensemble, en fait, autour de cette question. Penser ensemble. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, la question, c'est comment... Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui peuvent voir et qui ne voient jamais, donc qui voudraient voir les ovnis, par exemple, qui ne voient jamais, des personnes qui voient alors qu'ils ne veulent pas, etc. Enfin, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Alors, c'est une question, alors je n'ai pas de réponse à formuler là-dessus, j'ai des pistes de réflexion, évidemment, comme sur toute la thématique, je peux avoir des pistes de réflexion, mais pas de réponse définitive. Comme disait Jean-Jacques hier, si quelqu'un avait la réponse, ça se saurait, d'accord. Eh bien, on y pense tous. Alors, peut-être, moi, une première piste que je poserais, c'est... le premier lien que je ferais, c'est avec les médiums. C'est-à-dire, il y a des médiums qui voient les morts, puis d'autres personnes qui ne voient pas les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas tous égaux en capacité de percevoir des plans, des plans de réalité. Et puis il y a des médiums qui, il y a des moments où ils voient les morts et puis à d'autres moments où ils ne les voient pas, en fait.
Voilà, c'est-à-dire que ce moment de sensibilité, il s'ouvre et il se ferme. Et ce n'est pas toujours lié à la volonté. Ça peut être lié à d'autres facteurs. Ce qu'on observe chez les abductés, comme chez les médiums, d'ailleurs, il y a un point commun, c'est aussi un point commun au niveau de l'histoire. Par exemple, on s'est aperçu qu'un des facteurs qui rassemble beaucoup d'abductés, pas tous, mais beaucoup, la majorité en fait d'abductés, ce sont des traumatismes dans l'enfance. Des traumas dans l'enfance, ou des... que ce soit des traumas, ce qu'on appelle traumas. Voilà, il y a une fragilité au départ, hein, ou des brisures en fait. Voilà. Alors, ça pourrait être une thématique à part entière, parce que la question de la prédisposition dans la médiumnité, on se rend compte qu'en fait, par exemple, quelqu'un qui va avoir une prédisposition à voir dans l'avenir, quand on regarde dans l'histoire, on s'est aperçu que, dans certains cas, c'était adaptatif, c'est-à-dire par exemple on vivait dans une famille où c'était tellement déconstruit que prévoir ce qui allait se passer, c'était une bonne façon de pouvoir s'adapter en fait. Bon, alors chez les abductés, on peut trouver comme ça des zones de fragilité dans l'histoire, que ce soit des carences affectives, des violences, des abus sexuels, etc. Évidemment, les sceptiques s'agrippent à cette prédisposition pour dire bah vous voyez, ce n'est que, etc. Ce n'est que. Dès qu'on a un ce n'est que, voilà, c'est plutôt une paresse intellectuelle en fait, quelqu'un qui veut absolument vous démontrer que ce n'est que, donc il n'y a pas à bousculer ma façon de penser. Bon, moi ce que j'observe en fait, c'est que dans comment on devient abducté ou comment on devient expérienceur, ouais, ce que Sonia disait hier, j'aime pas trop le mot abducté, moi non plus en fait, j'utilise parce que ça met un peu tout le monde d'accord sur le thème, mais en fait je trouve qu'il est enfermant ce mot là en plus. Les schémas d'expérience varient en fait, on a un spectre d'expérience, on n'a pas juste un modèle qui soit toujours le même, ça convoque des niveaux de réalité aussi qui sont différents, une histoire aussi qui peut bouger, donc voilà, j'aime pas trop non plus le terme, mais voilà, il y a trois chemins en fait que je repère moi l'entrée dans l'abduction. Le premier chemin, il est dans l'histoire, c'est-à-dire un moment par exemple, la personne va rencontrer un ovni ou tout à coup vivre une abduction, c'est-à-dire que il semble que ce soit le phénomène qui entre en contact en fait avec la personne. Donc, le premier chemin, on pourrait dire, c'est l'élection entre guillemets par les êtres. Le deuxième chemin, en fait, d'entrée, c'est l'hérédité. L'hérédité, c'est-à-dire mes parents étaient abductés, ou l'un de mes parents est abducté, un des grands-parents est abducté, ou les deux. Et du coup, il y a un chemin d'hérédité. La personne, ça n'a pas commencé à un moment, dans une rencontre ovni, comme une bifurcation dans son histoire, mais par l'hérédité. D'ailleurs, quand on a un expérienceur qui arrive, une des premières choses qu'on va faire, c'est regarder chez les parents, les grands-parents, s'il y avait déjà des prémices d'expérience. Et chez les enfants, s'il se passe des choses. Voilà. Le troisième chemin en fait d'expérience, c'est par les états modifiés de conscience. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en chemin avec les états modifiés de conscience et qui, à un moment en fait, dans son parcours expérientiel, va croiser la question ufologique. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui vit ce qu'on appelle un éveil de Kundalini. Donc, ce sont des éveils énergétiques puissants, parfois vraiment compliqués à manœuvrer. Et qui, dans ses éveils, va avoir des expériences avec des extraterrestres ou des ovnis ou des entités comme ça. Ça peut être évidemment les sorties du corps, quelqu'un qui fait des sorties du corps, et à un moment, dans une de ces sorties du corps, voit un ovni ou voit une entité, un gris ou autre chose, et va entrer en relation avec ça. Voilà. Donc, trois chemins. Le premier, l'élection par ces êtres. Le deuxième, l'hérédité. Le troisième, le parcours personnel. Et en fait, ces trois chemins l'entrée dans le contact, ce sont les trois chemins de l'initiation chamanique. C'est-à-dire que quand un chaman, comment on devient chaman ? Eh bien, c'est soit par, dans les traditions, on vous dit ça, c'est le choix du monde des esprits. Les esprits t'élisent, du coup, viennent t'attraper et tu vas devenir chaman. Le deuxième chemin, c'est par l'hérédité. Mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère étaient chamanes et du coup je rentre dans l'initiation. Ou le troisième, c'est effectivement le choix personnel, c'est-à-dire je fais une démarche personnelle et peu à peu j'ai des capacités qui s'ouvrent. Voilà.
Alors, je ne conclue pas là-dessus, mais ça, c'est un autre pont d'un schéma anthropologique qu'on retrouve dans tout un tas de traditions, parce qu'il a souvent été relevé que les abductés, en fait, on peut faire du pont avec, avec le chamanisme aussi, on peut faire du pont aussi avec les contes et les légendes, par exemple les elfes, les fées, etc. Voilà, donc il y a encore un autre pont que je vois ici. Voilà, après, on pourrait poser un autre aspect, c'est que nous sommes tous psychotiques. Et certains ont à certains moments des moments d'éveil et voient un autre plan de réalité. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes tous psychotiques. Bah, imaginez un psychotique qui est à l'hôpital et qui est dans un délire hallucinatoire où il se poserait la question de... enfin, où il dirait je suis Jésus, je suis Jésus, par exemple, je suis Jésus, et je suis à Jérusalem, voilà, et je suis. Et puis, les médecins viennent le voir. Alors, évidemment, lui, de son point de vue, il ne voit pas des médecins, il voit des gars qui passent et il commence à professer. Et puis, les médecins, ils disent non, mais vous êtes en fait psychotique et vous êtes dans un hôpital psychiatrique. Et on commence à rentrer un débat avec lui et ça devient le paradoxe de Fermi. C'est-à-dire que le psychotique répond bah non, si j'étais psychotique, je serais dans un hôpital. Et vous seriez médecin, d'accord? Et posons l'hypothèse que, renversons un peu le problème, plutôt que de dire pourquoi ils ne viennent pas nous rencontrer, peut-être on pourrait dire pourquoi notre psyché continue à rester fermée à la présence d'altérité dans notre environnement. Et pourquoi certains, parfois, ont des moments d'ouverture de cette conscience et perçoivent des altérités qui sont là. Voilà. Alors, c'est une piste, moi, que je trouve intéressante, en fait, à explorer. Et parce que ça nous mène sur la question de moi et l'autre, en fait. De moi et l'autre. Alors, moi, je voudrais vous proposer une petite expérience, en fait. Donc je vous raconte l'expérience et puis après, j'aimerais que vous la fassiez, elle va être très courte. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un premier temps. On va explorer la question de moi et l'autre, d'accord ? Puis après, on va la déployer, la déplier, cette question-là, pour des altérités radicales. Mais moi et l'autre, c'est une question qu'on peut explorer très facilement et on va l'explorer maintenant. Donc ce que je vais vous proposer, c'est un premier temps de quelques secondes d'intériorisation juste pour être avec vous. Ça veut dire, je vais vous guider après, là je vous explique, puis on le fera après. Donc dans quelques instants, je vous demanderai de fermer les yeux et juste d'être avec vous. Ça veut dire descendre un peu avec vous, d'être un peu dans votre bulle. Et puis je demanderai à votre voisin de... Comment on va faire pour faire un peu stratégique? On va dire votre voisin de gauche. Ah non, ça ne marche pas si je dis ça, parce que chacun a voisin de gauche, ça ne va pas marcher. Bah, lisez maintenant votre binôme, on va dire ça comme ça. Et puis, il y aura un binôme A et un binôme B, d'accord? Donc, lisez maintenant votre binôme. Voilà, vous le connaissiez ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est même mieux si vous ne le connaissez pas, hein, parce que là, pour le coup, c'est encore plus altérité que si c'est un copain ou un proche. Alors, donc, il va y avoir A et B, en fait, dans l'expérience. Et ce que j'aimerais, c'est simplement que... Donc vous allez vous intérioriser, B aussi, et ensuite, B, je demanderai au B d'ouvrir les yeux. A, les A vont garder les yeux fermés. Et je demanderai à B de proposer, de poser sa main quelque part sur le corps de la personne. Évidemment, quelque part, l'épaule, la main, voilà, hein, d'accord? On va respecter quand même quelques normes de comportement. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans l'abduction par exemple, mais là on va respecter un peu ça. Et ce que je demanderais à A, en fait, c'est d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous allez recevoir le contact, d'accord? Et de A, vous allez être observateur de vous-même sur votre réaction, vos réactions émotionnelles, sensations. Observez d'abord ces trois temps, le pré-contact, c'est-à-dire vous savez que quelqu'un va vous toucher. Et donc, il y a un pré-contact en vous. Est-ce qu'il y a une tension? Est-ce que c'est détendu? Est-ce que c'est « Ah, super, on va me toucher ?» Enfin, voilà, il y a une première réaction, d'accord? Je m'attends, je suis dans le pré-contact. Ensuite, il y a le moment du contact. Qu'est-ce qui se passe au moment où je sens cette main qui se pose? Qu'est-ce qui se passe en moi?
observez ça. Et ensuite, on va rester 30 secondes, à peu près, en contact. D'accord ? Donc moi, je ferai le timer, je vous dirai le chef d'orchestre. Et ensuite, B retirera le contact. Et vous, observez simplement ce qui se passe en vous, en fait, quand le contact se retire. Est-ce que vous revenez à vous rapidement ? Est-ce que vous restez avec l'autre ? Est-ce qu'il y a de l'émotion ? Est-ce que c'est tranquille ? D'accord ? C'est-à-dire, c'est la digestion du contact, ce qu'on appelle post-contact. D'accord ? Vous allez digérer un contact, vous allez même sentir peut-être encore une empreinte du contact. Peut-être que vous allez sentir que la main s'est retirée, mais vous la sentez encore. D'accord ? Alors, c'est bon ? Vous avez chacun votre binôme ? Bon, eh bien, je vous invite à fermer les paupières. Oui, faites-en pas quelque chose de compliqué, hein, prenez juste votre voisin. Oui. Alors, c'est A et B ferment les yeux et B, les B ouvriront les yeux, d'accord ? Choisissez qui est A, qui est B. C'est B qui va toucher A. Ouais. Vous voyez déjà le pré-contact, hein ? Comment il y a de la maîtrise qui se met en route. Allez, on y va, on ferme les yeux, parce que c'est l'idée, c'est que ça aille vite, hein. C'est pas que ça fasse toute la conférence. Tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. Tout le monde ferme les yeux, voilà. Entrez juste dans votre silence un instant. Voilà, laissez-vous guider par votre respiration pour juste revenir à vous. Juste prendre contact avec les sensations qui sont là. Peut-être une émotion qui est là, peut-être pas. Peut-être vous remarquez que vous êtes beaucoup dans les pensées. C'est pas grave, juste observez ça. Peut-être vous sentez de la fatigue, tout est bien, tout est bien. Voilà, puis les A, vous gardez les yeux fermés, vous restez avec vous. Et je demande au B d'ouvrir les yeux. Alors les A, peut-être sentent déjà une préparation au contact. Il va venir observer votre réaction. Et puis, quand je baisserai la main, les B, vous entrerez dans le contact. Retirez le contact. Et Léa, restez avec vous, hein, n'ouvrez pas les yeux. B, vous pouvez retirer la main. Et Léa, juste sentez ce qui se passe. Peut-être qu'il y a du soulagement. Peut-être qu'il y a tout à fait autre chose. Observez juste comment ça digère en vous le contact. L'empreinte sensorielle aussi, est-ce qu'elle part tout de suite ? Est-ce qu'elle reste un peu ? Voilà, cette zone s'appelle le post-contact. Okay. Et puis je vous invite à respirer profondément, Léa, voilà. Simplement revenez à vous et puis gardez bien l'intérieur de vous ce qui s'est passé. Et les baies, fermez les paupières. Voilà, j'invite les baies à descendre à l'intérieur tranquillement. Voilà, juste pour être conscient de ce qui est là à l'intérieur de vous.
et vous préparez au fait d'être touché. Par la même manière, les A, vous poserez la main quand je baisserai la main. Voilà, Léa, observez comment vous recevez le contact, ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait oui, ça fait non, ça fait peut-être, ça fait de l'émotion. Et puis observez, Léa, si vous arrivez vraiment à sentir simplement la main. Simplement. Simplement, sans rajouter d'histoire. Est-ce qu'il y a de l'histoire? Est-ce qu'il y a de l'affect? Est-ce qu'il y a des pensées? Des commentaires? Voilà, puis peut-être Léa, vous allez faire un petit pas de plus maintenant. J'aimerais que vous ressentiez ce qu'il y a dans cette main. Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est ferme? C'est un peu son énergie, sa qualité de présence. Est-ce qu'elle est absente? Est-ce que vous pouvez sentir l'autre? Ou pas, au travers de ce contact. Et si vous pouvez sentir l'autre, est-ce que vous pouvez sentir un petit peu plus de l'autre? On pourrait se demander du côté de B, du côté de A, pardon, du côté de celui qui touche, est-ce que je suis d'accord pour qu'il sente qui je suis ou pas? Voilà, puis je vous invite à lâcher le contact. Voilà. Restez un peu avec vous. Observez comment ça digère à l'intérieur. Est-ce que je reviens vite à moi? Est-ce que j'ai encore beaucoup l'empreinte de l'autre? Est-ce que, voilà, où est-ce que je suis? Voilà, puis respirez profondément. Et puis revenez. Revenez vers le monde extérieur, avec les autres. Voilà, juste j'aimerais 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas tout le monde, mais feedback, en fait, ceux qui ont envie de partager quelque chose. Parce que, ensuite, évidemment, quand on va dans la vie, le contact est plus complexe tout de suite. Hein, mais il y a toujours cette base qui est là. Ça veut dire que dans le contact, qu'est-ce que je rencontre en premier? Je rencontre du non à l'intérieur de moi et des histoires, je rencontre des affects, je rencontre mon éducation, ma culture, on ne se touche pas, là c'est comme une transgression. Là, ouais. Est-ce que je rencontre l'autre? Est-ce qu'au contraire, je vais tout de suite dans l'autre? Je ne sens plus moi, je sens l'autre. Bon, voilà, c'est un peu ça. Je vous demande juste un peu de feedback. Comment ça a été à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez découvert quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris? Ou quelque chose qui a attiré votre attention? Voilà, qui veut bien nous offrir un peu de feedback. Ça soit assez court ? Assez court, hein. Oui, assez simplement, moi, ce que j'ai ressenti presque aussitôt, c'est une modification du rythme cardiaque. Bon, pas forcément dans le bien, parce que j'ai une pathologie cardiaque, et puis donc... ça a augmenté un peu l'arythmie. Merci beaucoup. Hein. Ça veut dire que l'autre est une perturbation, toujours. Hein. Rien que sur le plan biologique, j'ai une réaction de perturbation à l'autre. Hein. Et c'est vrai, c'est vraiment une base. L'autre me change, toujours. Change quelque chose de moi, hein, toujours.
Moi, c'était chaud et léger. Et quand elle a enlevé sa main, j'ai ressenti la pression et le froid. D'accord. Voilà. Ça veut dire que c'était agréable le contact et que la séparation pouvait être un peu laisser un peu un vide. Est-ce que ce serait juste de dire ça comme ça? Ouais, je sais pas. Je sais pas en fait, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Et en même temps, oui, là, ça peut être plus au niveau de la sensation. Voilà, du coup, je réagis, la main est chaude, je reste dans la sensation telle qu'elle est aussi. Ça peut être ça. Le fait du léger, ça veut dire que le contact était léger au sens où la pression n'était pas forte, c'est ça? Oui, mais quand elle a relâché sa main, la pression, j'ai senti la pression que je ne sentais pas avant. Ah oui, d'accord. Vous voyez, quand elle avait la main, je ne sentais pas qu'elle avait la main. Par contre, quand elle a enlevé la main, j'ai eu l'impression que mon épaule remontait. Quoi. C'est-à-dire que c'est au moment où elle se retire que vous sentez mieux comment elle était présente. Voilà, c'est en ça. Fait, hein en ouais. fait, c'est ça. Uh-huh. Voilà. Oui, en fait, j'ai l'impression que l'expérience, elle était presque plus forte en donnant le contact qu'en le recevant. Mm-hmm. Parce que j'ai senti quelque chose qui se passait. Mais au contact sur mon épaule, j'ai d'abord eu l'image de qui est venue de la cupule sur le gland, de quelque chose qui venait épouser mon épaule, comme la cupule qui vient sur le gland. Et du coup, quand il n'y a plus eu ce contact, il y avait comme un manque sur le cou. Et puis ça s'est estompé. Mais j'ai senti le contact avant le contact, en fait. Mmh. Je l'ai senti avant qu'il ne soit opérant. Dans le pré-contact, en fait. Dans le pré-contact, il y avait une anticipation d'un contact plutôt enveloppant. C'est ça, sentais déjà quelque chose. Mais du coup, quand j'ai donné mon contact, je suis venue doucement, peut-être parce que j'avais déjà le pressentiment de ce qui se vit, Et quelque chose a fait que ça s'est décollé, c'est devenu très léger, comme si l'épaule de mon binôme demandait à respirer, en fait. Donc je l'ai laissé respirer. Et c'était très doux, c'était très juste, en fait. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi d'avoir ce que l'autre en dit. Oui. Justement, j'aurais été assez curieuse de ce qu'il ressentait. Par intérêt, parce que c'est très intéressant de regarder les histoires qu'on se fait sur l'autre aussi. Hein, des fois c'est juste, c'est-à-dire que c'est pas une histoire, on a senti l'autre, et parfois c'est une histoire. On se projette dans l'autre. Hein, et de la même manière, on projette l'intention de l'autre. Par exemple, à un moment, vous ressentez quelque chose, là on voit que c'est la dimension plus émotionnelle qui s'exprime dans l'image, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de c'est contenant. On sent quelque chose d'enveloppant. Hein. Je m'attends à un contact enveloppant. Alors peut-être c'est vrai, peut-être ça parle de l'autre, parce qu'il est comme ça, et de manière inconsciente, je l'ai perçu. Et du coup, d'une certaine manière, j'ai perçu sa forme avant même qu'il me contacte, en fait. Ce qu'on peut voir dans les abductions, hein, parfois, les abductions ou d'autres formes de contact, le pré-contact peut se faire dans les rêves. Par exemple, on rêve le contact avant qu'il arrive. Hein, où j'ai une information, une sensation de la présence, comme nous racontait Sonia hier, une sensation de la présence. Elle se retourne, elle est là. Alors peut-être que le contact était déjà là, mais on pourrait dire que plutôt non, le pré-contact pour toi aurait plutôt été la joie. Hein, la joie, c'est-à-dire tu disais je m'attends à un cadeau, c'est comme recevoir un cadeau, je suis joyeuse en fait, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose en moi sait déjà que moi je ne sais pas, quelque chose que je ne sais pas en fait. Hein. Et ensuite il y a le moment du contact et après la gestion du contact. Mais on retrouve toujours ces phases-là, mais après le temps qu'on apprend c'est qu'est-ce qui parle de toi, qu'est-ce qui parle de l'autre. Hein, qu'est-ce qui parle, par exemple, l'enveloppement, le côté enveloppant, c'est-à-dire ça vient remplir quelque chose, contenir quelque chose, en fait, qui me comble, qui me fait du bien, et en même temps, quand la main s'enlève, en fait, je peux sentir du manque. Hein, et là, ça renvoie aux aspects émotionnels qui parlent de mon histoire.
là, qui me raconte, qui raconte des endroits de moi dans l'histoire, en fait. Et je vous parle de ça parce que, évidemment, quand c'est dans un contact simple entre humains, là, dans une expérience, on peut même vérifier auprès de l'autre, alors, c'était quoi ton intention ? Il va dire, ah non, pas du tout, par exemple, je l'ai fait, parce que moi, ça m'embêtait, cet exercice, j'ai posé la main comme ça, bon. Et l'autre s'est raconté une histoire, d'accord ? Il a été projectif. Ou alors, il va dire, bah non, j'étais touché, j'avais envie vraiment d'envelopper, d'y aller de manière très, très douce, etc. Et là, on peut dire, ah oui, peut-être ça parle à la fois de mon histoire, à la fois de l'autre, ou ça parle que de l'autre. J'ai perçu quelque chose de l'énergie de l'autre. D'accord ? Et ça, évidemment, tant qu'on n'a pas le discours en face des entités ufologiques qui viennent nous dire un moment, bah voilà notre intention, voilà pourquoi on fait ça, voilà, etc., bah, on n'a que des récits dans lesquels ce n'est pas toujours facile de dissocier ce qui est lors de la projection de ce qui est l'ordre de la non-projection. Parce que pour dire c'est de la projection, il faut l'autre, en fait. Il faut l'autre. Tant que je n'ai pas le discours de l'autre, je n'ai que accès à mon imaginaire de l'autre. D'accord ? Ou ma perception de l'autre, qui parfois est vraie. D'accord ? Ça va ? Est-ce qu'il y a d'autres feedbacks ? Oui ? Alors, vous revenez sur votre question, mais je veux savoir comment rentrer en lien avec eux. Alors, d'accord, je vois que mes histoires de contact ne vous intéressent pas trop. Si, comment entrer en contact ? Alors, disons, la première chose que moi je dirais, peut-être c'est une piste que je propose, c'est d'abord regarder, on peut inverser la question aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être en contact ? C'est-à-dire, comment... C'est une proposition. J'ai que des pistes à proposer, j'ai pas de réponse. Et une première piste, on pourrait inverser la question. Comment je m'y prends pour empêcher le contact ? Attendez, écoutez, parce que là, je suis en train de vous dire là, une clé. Vous pourriez inverser le contact en disant, tiens, maintenant, comment je fais pour pas les voir ? Comment je m'y prends pour pas les voir ? Par exemple, ça pourrait être un exercice. Alors, je l'ai pas testé, hein, c'est une piste d'un exercice qu'on pourrait faire. C'est se mettre devant le ciel, en supposant que ce ne soit pas toujours déjà là, hein, mais se mettre devant le ciel, et regarder, se dire, tiens, comment je m'y prends là tout de suite pour ne pas les voir ? Qu'est-ce que je mets en place pour ne pas les voir ? Et de laisser venir ce qui vient. Voilà, ça c'est un premier chemin. Un deuxième chemin, ça nous a été amené par beaucoup d'observations, et je pense notamment aux travaux de Rick Strassman, qui est un neuropsychiatre qui a fait des études sur les effets de la DMT, qui est une substance active, en fait. Et quand il a injecté de la DMT en fait, à ses patients, il s'est rendu compte qu'une proportion en fait, de ses patients vivait des expériences de contact avec des entités ufologiques, okay, des entités extraterrestres, on va dire, c'est comme ça. Et du coup, on va dire, ah, la DMT ouvre. D'ailleurs, la DMT, c'est la substance active de l'ayahuasca, Et Romuald Le Terrier, qui est ethnobotaniste, parle beaucoup de ça, parce qu'il a pas mal exploré cette question-là, des cérémonies d'ayahuasca qui sont orientées pour le contact, en fait, avec le peuple des étoiles. On va garder comme ça. Du coup, on va dire, ah tiens, la DMT, c'est peut-être la DMT, mais en fait, il n'y a pas que la DMT qui ouvre ces portes-là. On a des témoignages avec tout un tas d'autres types de plantes. Et puis, pas que les plantes. Je vous disais tout à l'heure, les états modifiés de conscience sont une porte qui peut mener un moment au contact avec ces entités-là, si c'est ça que vous avez rencontré à un moment, en fait. Hein. Tant que l'intention est là, au bout d'un moment, vous allez travailler sur ce qui vous empêche ce contact, et puis le contact peut advenir. Et là, il y a vraiment une piste d'exploration qui est vraiment très importante, c'est-à-dire que nous savons aujourd'hui que nous pouvons être acteurs dans le contact. Mais ça, c'est par l'exploration des états modifiés de conscience. Où vous allez explorer ce qui bloque, ce qui fait blocage pour vous à la rencontre avec ça. Vous allez grandir aussi, parce que je pense qu'il y a une notion qui est très importante, qui est la dimension de l'identité face à l'altérité. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas bien dans mes baskets, la rencontre avec une altérité radicale est vraiment plus que bouleversante. Hein, puisque le choc ontologique dont nous parle John Mack, il est aussi lié au fait que
Je ne décide pas du contact. Là, quand quelqu'un me touche l'épaule, il y a une préparation à ce contact-là, en fait. Vous voyez, il y a une réaction de stress, en fait. Le cœur se met à battre plus vite, en fait, une réaction émotionnelle. Bah, quand il s'agit vraiment de quelqu'un qui vient dans ma chambre en pleine nuit, je ne sais pas qui c'est, qui est d'une altérité radicale. Vraiment, il faut bien intégrer ça, en fait. C'est-à-dire que quand les expérienceurs nous disent des gris, en fait, nous, on a une représentation qui vient de la télé, de nos lectures, de nos images. On dit « Ah oui, d'accord, je vois un petit gris, etc. » Mais pour l'expérienceur, il est en train de voir un être face à lui qui le regarde avec un regard intelligent, qui le scanne. Ça veut dire que quand l'être le regarde, tout à coup, la personne se sent complètement mise à nu psychiquement. Pas seulement physiquement, mais mise à nu psychiquement. L'être la regarde jusqu'au fond d'elle-même. Vous ne pouvez rien lui cacher. Elle scanne complètement votre monde interne. Qui vous domine parce qu'elle a une emprise totale sur ce qui vous arrive, en fait. Et si votre représentation du monde en plus n'accueille pas la dimension extraterrestre, en fait, bah c'est en plus un choc mental, un choc paradigmatique. Votre vision du monde est complètement explosée en une expérience, en fait. Donc cette altérité-là, vous voyez, quand on pose la main et qu'il y a une réaction juste, vous voyez, une réaction émotionnelle, en fait, bah, là, vous la multipliez par, je ne sais pas combien, mais pour vous rendre compte un petit peu de ce que c'est l'effraction. Et encore, là, c'était cadré, d'accord ? Je vous ai dit, on touche seulement des endroits corrects, par exemple. Bon, bah, voilà, vous ne savez pas ce que l'autre va faire de vous quand vous êtes paralysé dans le lit, vous êtes entouré par des êtres, vous ne savez pas ce qui va se passer, en fait. Cette dimension-là, elle est profondément... évidemment en jeu dans la problématique des abductions. Cette question-là, on ne peut pas répondre à ça, en fait. On ne peut pas répondre à ça. Dès le moment où vous êtes en prise avec des êtres conscients, ils ont leur façon d'interagir, de choisir le moment, etc. On n'a pas grand-chose, on n'a pas d'interview de leur part où ils nous expriment leurs intentionnalités. D'accord. Et donc, on ne peut être que face à nos projections. D'ailleurs, si vous lisez David Jacobs, John Mack, Corrado Malanga, ça fait beaucoup d'années qu'ils étudient tout ça. Ils tombent sur trois conclusions différentes avec des expérienceurs. Je ne vais pas dire les mêmes expérienceurs, mais bon, les expérienceurs sont les expérienceurs, en fait. Et du coup, moi, je pense que c'est un formidable espace de projection. Il y a des éléments qu'on peut évidemment dessiner, réfléchir. Maintenant, sur l'intentionnalité, leur intentionnalité, c'est pas très évident de tabler, en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que évidemment beaucoup d'abductés vont suivre un chemin initiatique avec ça. Ça veut dire que la rencontre va passer du traumatisme désorganisateur à un moment à un traumatisme organisateur, c'est-à-dire que ça va les faire grandir. En gros, tabler qu'il s'agit de leur intention, c'est un postulat. Après, on peut être séduit par plus une hypothèse qu'une autre, en fait, mais c'est un postulat. Voilà. Il y a des expérienceurs qui continuent à penser que c'est manipulateur, que la croissance spirituelle fait partie plus de l'humain que de leur intentionnalité. En fait, qu'ils sont dans leur agenda, leur programme, leur truc, en fait, dont on n'a pas idée. Mais que nous, du coup, en tant qu'humains, évidemment, on grandit avec ça. Voilà. Bon, ça, c'est pas très facile de tabler là-dessus, même si moi, j'ai mes propres hypothèses, ce qui me séduit le plus, mais en fait, tomber sur une vérité, je me méfie de ça. Je me méfie de ça. Ce que je trouve plus riche, par contre, c'est de m'interroger sur nous en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on grandit, c'est quoi la réalité, et de grandir avec ça, en fait. Oui, et par contre, ce qu'on observe aussi, c'est que, alors évidemment, ça a été mis en lien avec la ménopause, parce que le schéma qu'ils viennent pour faire des hybridations est pas mal adopté, en fait, ce schéma-là. Mais en fait, on peut aussi le regarder par d'autres prismes.
parce que on passe en fait de l'expérientiel, c'est-à-dire il y a beaucoup de j'en parlais hier un petit peu avec Morvan, c'est-à-dire il y a beaucoup d'expérience en fait, ça veut dire d'énergie, il y a du phénomène qui se passe en fait, et petit à petit le nombre de phénomènes diminue, par contre l'information augmente. Ça veut dire que les personnes vont, par exemple, se sentir en lien avec la personne. Ça va être des expériences de channeling. Ou elles vont développer des capacités de clairvoyance, par exemple, pour recevoir des informations. Ou être créatrice elle-même de choses, en fait. Hein. Par exemple, je pourrais dire, Sonia et la création des réalités invisibles, c'est créer beaucoup d'informations pour nous tous, en fait. Hein. On se rassemble, on réfléchit ensemble. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose où il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'énergie, à quelque chose qui évolue avec beaucoup d'informations. Voilà. Et je ne dis pas que c'est plus pertinent que de dire avec la ménopause ça s'arrête parce qu'il n'y a plus d'hybridation. C'est une observation que je propose en disant peut-être il y a d'autres angles pour regarder ça. Voilà. On observe aussi que ce n'est pas que propre aux abductions. Hein, le fait que des phénomènes arrivent et puis d'un seul coup ça se calme en vieillissant en fait, et qu'il y a d'autres phénomènes qui émergent, qui sont moins énergétiques mais qui sont plus informatifs. Oui ? Attendez, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Oui ? Oui, alors, oui, des brûlures cutanées, puis on pourrait élargir à toutes les formes de marques corporelles, en fait, parce que chez les abductés, pas toujours, hein, pas chez tous, mais quand même on repère beaucoup, des marques corporelles, parfois qui sont vraiment trop complexes pour qu'on puisse dire bah, c'est de la somatisation. Parce que les mécanismes de somatisation, c'est classique. Moi, donner un exemple, j'ai une dame qui était venue pour une phobie d'aiguille, en fait, parce qu'elle est venue me consulter, parce qu'il y avait une phobie d'aiguille, ce qui était compliqué pour aller voir le médecin, enfin, les phobies médicales. Et on a fait une séance d'hypnose, et le lendemain de sa séance d'hypnose, elle avait une marque d'aiguille, de piqûre d'aiguille, dans la veine du bras, en fait, qui est apparue. Donc c'est un phénomène de somatisation, okay, qu'on peut reproduire. Enfin, ça, on connaît bien ces phénomènes-là, le phénomène de somatisation. Mais par contre, parfois, vous avez des marques corporelles qui sont extrêmement précises, qui sont dessinées sur la peau, vraiment. Où là, c'est trop précis pour être de la somatisation. Vous avez des incisions aussi. Eh bien, ce sont des interventions exogènes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a interagi avec la personne et qui a laissé des traces sur le corps. On a aussi le phénomène des implants qui est là, même s'il peut être très débattu, critiqué, etc. Il y a quand même des éléments physiques en fait, qui sont là. Il y a aussi des phénomènes d'incision et de cicatrisation. J'ai vu un monsieur moi, qui avait, par exemple, quand il avait l'âge de 8 ans, il a eu un missing time en fait, et de 3 heures. Un temps manquant de 3 heures, il était en camp de vacances en fait, et il est allé dans la forêt, tout à coup il y a eu le phénomène qui est décrit comme le facteur rose, c'est-à-dire à un moment il s'est senti comme dans une bulle de silence, il n'y avait plus de bruit du tout dans la nature autour de lui, ses copains qui jouaient un peu à distance, il n'y avait plus personne, et il a perdu conscience, et quand il est revenu à lui en fait, il avait sur le genou une incision en forme de triangle, ou de losange, je sais plus, je crois que c'était un losange, mais qui était grosse, qui venait 5 cm, sur 5 cm en fait, où il n'avait plus de peau. C'est-à-dire tout l'épiderme avait été coupé, mais incisé d'une manière extrêmement précise en fait. Hein, c'est-à-dire c'était droit en fait. Hein, et c'était, il me disait, c'était marqué en fait comme si ça avait été brûlé, vous savez, avec les trucs pour la viande là, une grille à viande en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un quadrillage en fait, qui était dans le triangle, et ça ne saignait pas. Ça ne saignait pas, il n'y avait pas de croûte. Et il est revenu, en fait, vers le camp de vacances, ça faisait 3 heures qu'il le cherchait, il s'est fait engueuler, évidemment, t'étais où, etc. Lui, il n'avait pas du tout conscience de rien. Et ce qui s'est passé, c'est que dès le soir, il y a eu une espèce... Il décrit... Alors, il a 50 ans aujourd'hui, hein, donc évidemment, c'est du témoignage, mais il décrit une sorte de membrane, en fait, qui s'est mise dessus, et la cicatrisation était faite dès le lendemain. Dès le lendemain. Par contre, la marque est restée sur son corps toute la vie. Alors maintenant, il l'a encore, mais elle est déformée, parce qu'avec l'âge, évidemment, bah, la peau change, etc. Mais il a toujours la forme. Et pour lui, ça a été une empreinte qui moi, je lui ai dit, ça me faisait penser à un timer,
comme une clepsydre, parce que l'empreinte commençait avec les années à disparaître un peu, et il est dit, je voudrais savoir ce qui s'est passé, ce qui s'était jamais repenché sur ce qui s'était passé, il a vécu d'autres expériences, mais là, en fait, arrivait pour lui comme si la clepsydre arrivait vers la fin, en fait, et il sentait que là, il fallait qu'il accède à l'information. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, hein? Et du coup, son chemin d'initiation, moi je dirais, commence là. Commence avec cette question. Là, il va rentrer dans son histoire. Enfin, dans cette histoire. Oui, et puis vous avez aussi des marques corporelles. Après, la question des marques corporelles n'appartient pas qu'au dossier ufologique. Vous avez des traces corporelles qui sont très énigmatiques, mais il n'y a pas forcément de pont évident, en tout cas avec la question ufologique. C'est pas parce qu'il y a des marques corporelles que tout de suite c'est ufologique, d'accord. Mais ce qu'on observe effectivement, c'est que quand c'est ufologique, il y a pas toujours, mais régulièrement des traces corporelles qui vont avec tout le cortège d'expérience. Mais c'est pas la seule source des marques corporelles. Alors, on en a aussi dans les phénomènes de poltergeist, on en a dans les phénomènes d'emprise, on en a dans les phénomènes psychosomatiques aussi. 3 minutes. Voilà, bon, on en a dans tout un tas de domaines. Alors, peut-être, puisqu'on arrive vers la fin, je voulais aborder quand même peut-être 2-3 points. Oui, peut-être sur la question du contact. Parce que j'ai parlé un peu de la question de l'entrée dans le contact, hein, les modes d'entrée par bifurcation de l'histoire, c'est-à-dire eux, ils arrivent par hérédité, par chemin initiatique. J'ai parlé un tout petit peu, j'ai pas trop développé sur les caractéristiques du contact, mais j'ai dit un peu des choses sur notamment au niveau de l'anneau de Möbius, c'est-à-dire qu'il y a de moi et de l'autre dans ce contact, mais comme on voit dans un contact très simple, il y a aussi de moi et il y a aussi de l'autre dans ce contact-là. Bah, c'est vrai aussi là, mais dans une forme plus vaste. Ça veut dire là, je vais vraiment halluciner des portions de l'expérience en fait, mais eux aussi semblent acteurs. De prendre la forme qui correspond à mes attentes, comme dans le film Contact avec Jodie Foster, quand les êtres en fait prennent la forme et lui montrent en fait un paysage qui est ce qui est le plus sécurisant pour elle. Ils lui transmettent de l'information. En étant ton père, je te transmets de l'information. Je te dis que je suis quelqu'un de familier, de sécurisant, de protecteur, par exemple. Si c'est ça pour toi, ton père. Vous voyez, je vais faire résonner ça. Toute la question, c'est est-ce que du coup c'est une prise en compte empathique de moi ou est-ce que c'est une manipulation ? On peut toujours laisser ouvert cette question. Voilà, donc je vous parlais d'Anneau de Möbius. J'ai aussi développé l'idée que de la nature psychédélique de l'expérience, psychédélique au sens que ça révèle les endroits de ma psyché. Ça, je ne vais pas développer ça, mais j'ai pu le développer ailleurs sur la question du modèle des expériences de mort imminente négatives, les NDE négatives. Les NDE négatives, la personne va vivre en fait des éléments non digérés de sa psyché ou des problématiques psychiques. Elle va les vivre sur un mode. Sur un mode cosmique. Hein, par exemple, j'avais une dame qui a vécu une NDE négative, où elle s'est retrouvée dans l'enfer, ouais, c'est une forme d'enfer spécial, mais c'est l'enfer, où elle se retrouvait dans l'univers, dans un néant infini, seul pour l'éternité. Donc autant vous dire que quand elle est revenue, quand ils l'ont réanimée en fait, après sa plus grande peur c'était de mourir, de se retrouver dans le même endroit. Et puis en plus de se demander pourquoi moi j'ai vécu ça et les autres ils me parlent de tunnel lumineux, pourquoi moi je vis ça, c'est quoi ça hein. Du coup évidemment après elle s'est raconté des histoires avec ça, sur l'enfer, sur la damnation, sur des choses comme ça. Et moi, je lui renvoyais que c'était plutôt sans doute que ça parlait d'elle. C'est-à-dire comment ça parle des endroits où vous vous coupez du lien avec les autres, en fait. C'est-à-dire cette manifestation cosmique vous parle d'un endroit de vous où vous êtes coupé des autres. Et oui, c'était évident dans sa vie, puisqu'elle était vraiment isolée, pas d'amis, la solitude, et qu'il a renvoyé à son histoire, justement, d'isolement des autres, parce que l'autre est une source de souffrance, etc. Voilà. Alors, cette dimension psychédélique de l'expérience, on la retrouve aussi dans les abductions, mais pas toujours, pas toujours. Mais c'est toujours important de regarder ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à vous, qu'est-ce qui parle de vous aussi dans l'expérience.
Voilà. Et ce que je voulais aborder, moi, c'était l'impact, en fait, l'impact de l'expérience, les différents points d'impact. Qu'est-ce qui se passe pour les abductés? En fait, la première chose qu'on observe, c'est évidemment, c'est le trauma. D'ailleurs, souvent, on met l'accent là-dessus. C'est-à-dire, c'est une expérience qui est traumatisante. Alors, elle n'est pas toujours traumatisante, mais c'est vrai que pour beaucoup, elle est traumatisante. Alors, traumatisante à deux niveaux. Traumatisante parce que l'expérience, elle est répétitive, elle n'est pas contrôlable, elle est intrusive, elle est étrange. Mais ça, j'en parlerai après, c'est ce qu'on va parler du choc ontologique. Mais d'abord, le traumatisme, c'est d'être, des gens rentrent dans ma chambre, je n'ai pas de contrôle là-dessus, on me prélève de ma chambre, on me ramène. Ou alors, je suis comme un monsieur qui me racontait, je suis en train de faire ma vaisselle, ma petite amie va faire des courses, je me retourne pour poser une casserole, et là, je vois un gris qui est derrière moi, en fait, qui me regarde, et là, pouf, arrêt système. Et il reprend conscience parce que sa petite amie l'appelle très gentiment. Il était assis sur son canapé, tout nu, couvert de griffures, en fait, le sexe complètement inflammé, dans un état de choc, en fait, dans un état de choc. Et sa compagne, essayant de le ramener tout doucement vers ici, et maintenant, en fait, où il est, bon, après il s'est réorienté en fait, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire la dimension traumatique de l'expérience, c'est l'absence de contrôle total. Je suis tout à coup, je suis là, je fais quelque chose, ça arrive dans ma vie, ça choque, et après je reprends conscience et je dois intégrer ça. Ce que nous disait aussi Sonia hier, quand tu disais je me réveille dans mon lit et puis j'ai une crise de décharge du stress de ce que je viens de vivre dans mon corps, en fait. Hein, d'accord ? Mais ça, c'est souvent le début de l'expérience. C'est traumatique au départ, mais après, les abductés vont faire un chemin avec ça. Et ce chemin, en fait, ce chemin, il est très bien résumé par... un abducté qui s'appelle Rohan, je te regarde, Morvan, parce que c'est dans le bouquin de John Mack que tu as traduit. Et il dit, Rohan, une phrase, c'est Rohan ? Ah non, pardon, c'est pas Rohan, c'est moi qui ai commenté en disant c'est un Kohan, c'est comme un Kohan. C'est pas Rohan, je sais plus son nom, du coup je l'ai pas noté. Et il dit cette phrase que je trouve formidable. Il dit, concernant les abductions hein, et le phénomène OVNI, il dit, vous ne pouvez pas y apporter de réponse. Et vous ne pouvez pas ne pas y répondre non plus. Vous ne pouvez pas porter de réponse, mais vous ne pouvez pas ne pas y répondre non plus. Et là, il se passe quelque chose. Vous vous retrouvez dans une situation qui vous semble insupportable. Alors, vous grandissez. Et je trouve que c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est incompréhensible, je suis impuissant, et la seule issue, c'est de grandir. Ça veut dire, c'est de changer. C'est d'apprendre, c'est de croître. Voilà. Et c'est ça qui va transformer en fait le jeu. Alors, excuse-moi, je vais dépasser un petit peu. Ce que je voulais parler donc de l'impact de l'expérience, mais je vais aller vite. L'autre point d'impact, évidemment, c'est le choc ontologique. Le choc ontologique, il faut se représenter que c'est vraiment un choc de nature, c'est-à-dire que c'est tellement étrange et tellement étranger, c'est vraiment... Je tiens au thème d'altérité radicale, qu'elle est en elle-même choquante. Le modèle qu'on connaît dans nos vies, en fait, pour comprendre ça, ces dimensions du trauma, moi je trouve que c'est la lumière. C'est-à-dire qu'à un moment, là c'est un peu sombre, si on sort d'un seul coup et on se retrouve face au soleil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer les paupières. D'accord ? Parce que ça fait trop de lumière. Eh ben, on a une capacité à fermer les paupières, ce qui va nous permettre de nous ajuster en fait à la lumière. Ben, imaginons que cette altérité, c'est la même chose. C'est-à-dire que trop d'altérité pour mon psychisme en fait que je vais fermer le contact. D'ailleurs, quand on vous donne une nouvelle que vous voulez pas entendre, vous dites non, je veux pas t'entendre. Non, stop, tais-toi. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ferme l'arrivée de l'information pour nous protéger. Et après, on va s'ouvrir petit à petit dans la dose qu'on peut digérer. Et sauf que pour les abductions, bah, quand ils sont là, vous ne pouvez pas doser. Vous ne pouvez pas fermer les paupières. En fait, la dose d'altérité est forte et vous ne pouvez pas y résister. Donc vous êtes obligé de faire avec ça. En fait, hein. Et pour moi, c'est ma définition du choc ontologique. Le troisième niveau, c'est évidemment le choc paradigmatique, c'est-à-dire si ma conception du monde n'accueille pas ça, c'est compliqué. Et de toute façon, même si ma conviction du monde accueille ça, ce sera compliqué.
Faut pas rêver. Parce que pour tout ufologue qui connaît très très bien l'ufologie, qui a une bonne représentation, s'il y a une différence entre j'ai une représentation mentale de la chose, ça veut dire moi dans qui je suis, je construis une représentation avec mon mental, et tout à coup le réel qui vient, qui est différent de tout ce que j'avais prévu, et qui va me bouger en fait. C'est la même différence entre lire tout ce que je veux sur ce que c'est que nager, et puis la première fois nager. Ou qu'on m'ait tout raconté sur il se passe quoi quand j'embrasse quelqu'un pour la première fois, et puis tout à coup je sens les lèvres d'un autre, et c'est bizarre, et d'accord. C'est-à-dire que c'est toute la différence entre savoir et vivre. Voilà. Donc ce choc paradigmatique, il est inévitable, de toute façon. Même si vous accueillez ça, entre croire et savoir, il y a quand même un espace. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est effectivement la question du processus initiatique, c'est-à-dire comment on passe de ce processus désorganisateur à un processus qui est source de plus en plus d'organisation, en fait. Et ça, il n'est pas spécifique dans l'abduction, il est spécifique à tout chemin initiatique. Et ça, c'est une réponse à votre question, comment aller dans le contact ? Eh ben, en travaillant sur moi, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. C'est-à-dire sortir des sentiers battus et se mettre à vivre des expériences où je vais vivre des expériences d'expansion de conscience, d'ouverture de conscience. Et c'est à travers celle-ci que je vais grandir, que je vais changer. Et que du coup, je vais ouvrir l'espace à la rencontre avec des synchronicités, parce que la vie vous veut du bien. Et que si c'est sur votre chemin et qu'il y a un intérêt, bah, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Mais ça va se faire au rythme où vous êtes prêt en fait, à le faire. Et puis parfois la quête, c'est ce qui nous fait cheminer. Et on trouve d'autres choses sur le chemin. On ne trouvera jamais ce qu'on trouve, mais on trouvera mieux. Alors c'est pas mal non plus. Alors, voilà. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais j'aurais pu parler aussi des étapes par lesquelles on passe en fait pour intégrer un trauma, parce que il y a différentes étapes en fait qui passent de la perturbation jusqu'à l'intégration. Mais en fait, vous pourrez les regarder parce que ce sont les schémas du deuil. Ce sont exactement les mêmes schémas que le processus de deuil. Ça veut dire je perds quelque chose et j'intègre ce que j'ai perdu pour intégrer le réel tel qu'il est. Et notre vie étant une succession de deuils, en fait, quand je rencontre une expérience parapsychologique ou bizarre ou étrange, en fait, bah, je vais parcourir le même processus. C'est-à-dire faire le deuil que le réel soit ce que je croyais qu'il était. Voilà. Et pour accueillir un espace plus vaste qui est le réel tel qu'il se montre à moi. Je ne dis pas tel qu'il est, parce qu'on ne sait jamais tel qu'il est, mais tel qu'il se montre à moi, voilà, et tel que je suis prêt à l'intégrer. Okay, et ça, c'est une piste pour le chemin. Alors, moi, je voulais terminer du coup avec une citation qui peut paraître un peu décalée, mais je l'aime bien, j'avais envie de la partager. Et qui dit « Quand vous verrez à quel point tout est parfait, vous n'aurez plus qu'à rejeter la tête en arrière et à rire en regardant le ciel. » Bouddha. Voilà.